Ah bah non, tout le monde n'est pas On là. n'est pas là, bon. Bah c'est pas grave, on peut discuter avec le chat. Donc comme je l'ai écrit, mais comme je ne l'ai pas dit, je suis désolé de ne pas avoir pu parler vraiment avec vous pendant ce premier épisode parce que j'étais vraiment un peu occupé. Donc mener la guerre, gérer mon empire et lire le chat en même temps, c'est tendu quand même. Voilà. Donc voilà, je suis désolé. Mais on va essayer d'arranger ça maintenant. Ok, Fred, t'es là? Ouais. Ok, on va pouvoir avancer. Alors, attendez. Je vais déclarer ma guerre pendant qu'on est en pause. Ah. Nous condamnons. Donc là. J'espère qu'il va me suivre, par contre, ce connard. Ah, mais c'est des alliés à moi. C'est parti. Alors. C'est reparti, tout doucement. Ah non, pas tout doucement, mais c'est reparti quand même. Putain, il est... Bâtard, il veut pas me suivre dans la guerre, quoi. Équivalent ? Enculé. Oh, flippant. Construction complete. Bon. Ouais. Bon, alors il va falloir que, dans cet épisode, on attende que nos vassaux arrêtent de faire la gueule, parce qu'ils font salement la gueule, quand même, hein. Puissance comparée des dépendances, moins 42. Je sais pas ce que ça veut dire, moins 42. Bah, c'est probablement pas une bonne chose. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi. Ils sont pathétiques et déloyaux, les mecs. Ah oui. Comment je fais pour les latter? Parce que sinon, je peux les latter aussi. Hein. Je peux leur mettre des grands coups dans la gueule, jusqu'à ce qu'ils soient d'accord pour faire la paix, mais... Oh, attends, parce qu'il y a des pirates. Est-ce que c'est sympathique de faire ça, déjà? Ah, mais je sais, mais c'est parce que... Ok, je vois. Parce qu'ils pensent que je suis en train de quitter leur système. Du coup, ils se disent, ouais, c'est bon, il y a de la marge, il s'en va et tout. Tu vas voir si je m'en vais. Quatre corvettes, un destroyer. Ouais. Bon! Revoyons nos plans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va aller au-delà de notre limite de flotte. Pendant la guerre, et puis en espérant que... On va emmagasiner histoire de pouvoir tenir le temps de la guerre. Alors ça coûte cher, mais c'est pas grave, faut le faire. Donc cette pourriture ne veut pas nous suivre. Pour pouvoir construire un chantier dans une station, c'est bien le quartier de l'équipage? Un chantier? Comment ça? Oui, dans la station, dans mes stations lunaires. Non, c'est le chantier. Attends, tu veux dire sur... Pour faire des vaisseaux. Pour faire des vaisseaux, il faut faire un chantier. C'est dans les modules. Dans les modules, t'as un module de chantier. C'est pas dans les bulles, c'est pas dans les bâtiments, c'est dans les modules. Ah, pathétique, c'est pour ça. Pathétique déloyal. Pff, soyons sérieux, quoi. Enfin. Les croiseurs, oui, les croiseurs. Putain, les croiseurs, il va avoir, lui. Putain. La puissance. Bah, Weird Make, pour sub, soit tu... Soit normalement, sous le live, tu dois avoir un petit bouton pour sub. Attends, parce que je regarde ça à quelle gueule... Oui, mais je vois pas le bouton sub quand je regarde. Tu peux pas t'auto-sub, a priori. Sous live, tu dois avoir un petit bouton t'abonner. Sinon, si tu descends en bas, si tu veux juste faire un don ponctuel, t'as un lien pour faire un don. C'est via PayPal ou via carte, enfin, comme tu veux. Quoi. Non, c'est à côté du chat, à gauche, en haut à gauche. Non, mais je parle de don. Si tu veux faire un don dans un don ponctuel, il y a un truc dans la description en bas. Si tu descends, Non, mais sinon, il va dans s'abonner et il fait autre option au fin payant. Ah non, c'est pas ça. Et tu peux t'abonner pour 25€ par mois, si tu veux. Sérieux? Oui, tu peux. Putain. À bon entendeur. Faites-le. C'est le gars. T'as pas froid aux couilles, toi. Construction complete. Bon, on va aller latter de l'alien. Mais par contre, ils sont quand même près de 2000, les mecs. Ouais, ça... Non, j'ai pas latté de l'alien maintenant à 2000. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me montrer faible alors que j'ai des vassaux déloyaux. Hein, c'est vraiment pas le moment. On doit plutôt faire en sorte de sécuriser les acquis.
Allez, alors qui c'est qui m'insulte? Principauté, off, machin. Alors c'est où ça? Alors, c'est loin ça, ça va encore. Par contre, mes deux voisins, ils me détestent. C'est quoi ça? Un monde continental de merde, non? Ça nous intéresse pas. Ah, c'est toi le Tecarus Directive, Clément? Non. Mais pourquoi il... C'est, bah, j'ai trouvé un autre robot. C'est mon voisin. C'est pas grave. Je suis pas un robot, moi. Ah oui, non, t'es quoi, toi, déjà? Je suis des mecs religieux. Oui. C'est une créature du démon. Non? J'ai déjà trois arbres. Non, deux arbres de compléter. Trois arbres. Bah, bientôt trois, remarque. Trois arbres de compléter? Non, bientôt trois. Ouais, quand même. Déblème. Ou modification génétique. Ou déblaiement de cailloux. J'ai quand même envoyé plus... un point de maillot par colissime. Ouais, non, on va faire la modification génétique, hein, ça a de la gueule, ça. T'as pas de la sauce au poivre, plutôt, merde, mec. Quoi? Quoi? De la sauce au poivre? Mais pourquoi faire? C'est le private joke avec mes abonnés, tu peux pas comprendre. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Et en même temps, je m'en fous. C'est ça. Non, et en même temps, ordre de flotte annulé. Ah bon? Ah, très bien. Un mec de mort encore. Non, j'accepte pas les roupies. Les roupies. Et les afghanis. Les afghanis. Merci à Yami Kassai pour le follow. System survey. Les roupies. Les roubles. J'ai de la saumure sursaturée ici. Non, merci. Je te donne 1 million d'yens, ça fait 2 euros. Les francs d'or, ah, les francs d'or, je veux bien, hein. Ça doit se prendre cher pour, en collection, ce truc. Les Napoléons d'époque en or. Un Napoléon? Oui, non, mais je veux dire la monnaie. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Oui, pas le mec, on est d'accord. Si, le Napoléon, bah, ça se vaut cher, hein, aujourd'hui. Un morceau de Napoléon, oui, j'imagine. Oui, mais... un doigt de Napoléon. c'est plutôt pas très hygiénique. Ouais, bien nettoyé à la brosse à dents, ça passe. Oui. Vous demandez à Fred, il est balèze. Encore en brosse à dents. Ascendance stagnante, gardien du savoir. Pour nettoyer la brosse à dents. Rivalise les types de ces connards. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je suis balèze pour le nettoyer? Bah, quand tu fais les fouilles. Ah, quand je ramasse des fossiles, tu veux dire? Bah oui. Ah ouais. Bah, pas forcément ramasser des fossiles. Quand tu fais des fouilles, tu utilises une brosse à dents. Ah, putain. Oui, sur les petits objets fragiles, oui. Les enfoirés. L'ascendance stagnante, elle m'a demandé un de mes scientifiques, sinon elle me tuait. Donc elle m'a tiré un mec de level 5. Merci, au revoir. C'est les robots? Ouais, parfois il te demande des trucs. Ah, tiens. Oui, mais file 2500. Parfois il te donne des trucs aussi. Merci beaucoup. Incoming transmission. Tellement cher de construire des stations de défense. Disparition d'un empire inconnu. La friche. Ouais, c'est rien. C'est rien, c'est une petite merde. Ah, ben non, mais il a carrément été annihilé. Il a pas été. Ouais, mais il était tout petit. Hein. Il est mort de sa belle mort, quoi. Il est mort avant d'être né. Enfin, je sais pas. Oui, pacte de non-agression avec eux, ça me convient tout à fait, il n'y a aucun problème, les mecs. Oh, t'as des despotes esclavagistes, mais il n'y a que des bâtards. La galaxie de connards. Oh putain, je me sens seul. Ah ouais, mais je vous l'avais dit, hein. C'est parce qu'il manque le fumier, hein. C'est pas le fumier. Ouh, la wow. Pop. Ça ne restera pas impuni. Enfin, de toute façon, t'es au bout du monde, donc pour l'instant, ça va rester impuni. Ouais, je t'attends. Bah, tu rigoles. T'as une façon simple de me battre, hein. Il suffit que mes mecs, ils meurent de vieillesse en allant chez toi, tellement t'es loin, donc... Sinon, avec une meilleure connexion, ça donne... Sinon, tu t'achètes une connexion et puis on en repart, quoi. De quoi vous parlez? Il y a une ambiance sur ce mec. Tout le monde se déteste, mais personne se le dit. C'est ça. Les gars, en fait, ils s'aiment pas, mais comme ils ont commencé à faire des live à 4, ils continuent, tu sais. C'est ça. Bon gré mal gré. Ouais. Non, mais on déconne, hein, t'aimes bien, Tibbs. Hein.
J'imagine que c'est mes viewers qui squattent. C'est aussi une pâtisserie complètement gouttière. Je ne savais pas que c'était le nom d'une pâtisserie. Qu'est-ce qui se passe? On a des boucliers. Est-ce que c'est une bonne pâtisserie au moins? Parce que c'est de la merde. Weird Neg, ça va, gros connard? Ouais, tête de bite. C'est comme ça que je dis bonjour à tous les amis. Pourquoi ils m'aiment pas? Domination terminée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, Katox le taunt envers Luc Lucas à propos de la frangipane. Relancer le frangipane gate. Permet le protocole de bombardement raid qui permet d'enlever des pops. Bon, peut-être pas. Non. Mais Luc Lucas, ça fait les trash talk par tous les chats à propos de la frangipane. Maîtrise de la nature. Comment on fait pour ouvrir ses frontières avec quelqu'un? Bah, tu vas le voir et toutes tes frontières. Ça t'aide? Tu vas dans les interactions, normalement, t'as un truc ouvrir les frontières. Ah yes. Après, si c'est ton rival et si c'est lui qui les a fermés, ça sert à rien. Non, c'est l'autre esprit de la ruche. Je vais m'allier à lui. Enfin, allez, on va prendre domination interstellaire. Non, je pense qu'on va pas s'emmerder. Le nom me plaît. System survey complete. System survey complete. Hop là, en avant. Construction complete. Oh là 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 là, toutes les constructions à faire ici. We're in the chute. Ah, ça se rivalise de partout. Qui prend le rien. Encore. Construction complete. Bon, bah, parlez-vous. Je propose d'ouvrir les frontières. Vous m'envoyez chier. Qu'est-ce que je te dis? 77 sur 142. On va pouvoir refaire des vaisseaux, les gars. Alors, je suis toujours à 19 sur 26. Ma flotte. Je suis à 14 300. Sur 52. C'est long. C'est plutôt. Et bon, à côté, je fais des petites guerres. Hein. Bah, c'est l'important. Après tout. Oh yes, on peut faire les destroyers. Oh. Oui, Kudogan, je calcule des trucs, c'est ça. Bah, franchement, j'adore jouer avec Fred. Comment t'as deviné que c'était ma calculatrice? Bon. Pourquoi tu t'aimes bien jouer avec moi? Parce que comme ça, je me sens deux fois moins minable. Quand tu me dis, oh, j'ai enfin sorti le destroyer, je me dis, oh, au moins, j'ai un peu d'avance. Mon Dieu. Tant de haine. Mais t'es un enfoiré. Tant de taunt. C'est ça. Le respect est mort. Alors, vite, concepteur de vaisseau. Ah non, putain, j'ai des pirates, là. Je me sens tellement moins minable. Tout ça, quoi. Wow. Que j'ai wow. Qu'est-ce que vous entendez par wow? Attends. Vaisseau. Construction, oui. Ok. Oui. Plaît-il? Bon, et ben, ça sera la guerre. T'es en guerre? Alors, ouais, j'étais allié avec ce mec. Ouais, j'avais un pacte défensif avec lui. D'accord, bon, bah, c'est la guerre. En avant. Construction complete. En cas de souci, je prête de l'argent à des taux pas dégueux. Hein. Je sais pas si t'en as entendu parler. Silence. Ok, bon. Si tu veux, je veux bien t'échanger de l'énergie contre des minéraux. Hein. Non, ça va, je suis bon. T'as besoin de minéraux ou d'énergie? Moi, j'ai plus besoin de minéraux. Oui, enfin, comme tout le monde, quoi, du coup. C'est ça, quoi. Malheureusement. Oh, elle travaille pas, elle. Bah alors, qu'est-ce que tu crois? Hop. À la mine. Construction complete. C'est fou, ces gens.
Bon, 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 bon. 80 sur 142. Oui. Construction complete. Bon, j'ai bloqué mes frontières avec des stations défensives. Ah ouais, c'est lié. La Bébaki hégémonie a revendiqué. D'ailleurs, c'est tellement une idée que je vais devoir faire pareil en fait. Fact. Où est-ce que je dois bloquer? Je dois bloquer là et là, parce que de toute façon, lui, c'est notre prochaine cible, hein, très, très honnêtement. Il a des accords commerciaux avec mes voisins. Convention de recherche. Exiger la vassalisation, bizarrement, ils veulent pas. C'est parce qu'ils ne le savent pas encore. Bientôt ils souhaiteront rejoindre l'Empire. Ça fait absolument aucun doute. Passer par là plutôt. Tap, 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 tap. Putain, 41 mois, c'est long. On va par là plutôt. Ce qui est long, c'est les minéraux inventés. Pirate repéré. Mon dieu. Ah, je t'assure qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment. Ah, c'est chiant, les pirates. Putain, j'en ai partout. J'ai lu un truc, je crois que ça en fait, il repop pas pendant toute la partie comme ça pour l'IA. Ah putain. Je crois que c'est juste pour les joueurs. Ils sont à 900, je suis à 700. Ouais, on va y aller parce que sinon ça va me casser les noix. Mais non, mais putain, mais j'en ai partout quoi. Station oh, under attack, pirates, ouais, non, non, c'est des pirates, bon. J'en ai partout quoi. Faut exterminer leur base hein, chaque fois qu'ils repopent. Ouais. Ouais, bah oui, oui, mais je c'est... fais que ça, mais comme les autres connards d'à côté là, ils font rien, bah du coup ils sont tous chez moi. Le système de stall droppies, faudrait que tu le prennes. Ouais, on s'est fait défoncer. Là, on s'est fait défoncer. Bah j'essaye, mais sauf qu'il y avait des pirates aussi là-bas. Sauf qu'il y a des pirates partout, on peut pas être partout en même temps, ça me casse les couilles. Ouais, bah là, ça va pas bien se mettre là. Putain, le mec, il a une flotte de 4600. Ouais. On va avoir des problèmes. Cette bière va mal se mettre. 4600. Ouais. Mais on va perdre notre... On va perdre notre petite flotte, là. Ça me casse les noix, mais c'est comme ça. Fait chier. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es en guerre aussi, toi, Tips? Non, c'est une flotte de pirates à 1000, là, qui a débarqué au milieu de chez moi. Ça casse un peu les couilles, mais... Oui, bah moi, c'est ça. Cassez-vous, voilà. Les gars. Vous avez pas la force de combattre, cassez-vous. Ok, alors là, il y a sa flotte. On va essayer de choper la flotte. Ah, perte d'argent. Fait chier. Il faut vraiment que je laisse une flotte plus grosse là-haut, là. On a fait vraiment nimple. Ouais, je sais qu'on perd des stations, les gars. Je sais, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Traverser mon empire, c'est tellement... Alors, je suis en guerre avec le Lozavata State, là, qui est juste en dessous. Et son allié, qui est juste ici, là. Et moi, je suis allié à ce gars-là, qui est entre les deux. Ils lui ont déclaré la guerre, et comme j'avais un pacte défensif avec lui, eh ben, on se tape. Il va où? Putain, il repart en culé. Fais chier. J'ai pas le temps pour ça. Ouais. C'est la merde. C'est la merde. Putain, on peut plus acheter une grosse somme de minéraux contre de l'énergie. Putain. On l'a dit tout à l'heure. C'est mensuel maintenant. Ah, ils ont remarqué que c'était complètement craqué. Ouais. Attends, bah du coup, moi je vais mensualiser. C'est pas plus mal, hein. Ouais. Ok, baston.
Pour 50 énergie par mois. Ah mais putain, non, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai des pirates partout, je fais comment pour m'en sortir? Bah tu les défonces, tu trouves... Mais avec quelle armée? J'ai pas d'armée, j'ai... Oh là 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 là. Vas-y. C'est la défaite totale, j'ai d'énergie, j'ai plus de minéraux, j'ai plus de bouffe. Bon, bah je pense que ça va vite se finir, cette partie. Oh là là, quelle merde. Bon, alors là, les pirates, on va aller... Pour moi, c'est un bug que t'es ventilé avec deux planètes. Non, mais c'est pas... Non, c'est normal, il y a bien des empires qui ont plusieurs attributs, alors tu sais, mais... pourquoi moi avoir que deux planètes, c'est pas un problème, tu sais. Mais non, mais c'est pas normal, tous les empires commencent avec trois planètes dans... Mais je te dis... Non, mais ça, c'est toi qui extrapole sur ton expérience. Je regarde tous les autres, à côté de leur capitale, il y a toujours... Julien, c'est le seul. Ah non, et puis oui, et puis des bonnes planètes de merde, quoi. C'est pas comme si j'en avais deux à... Non, mais je sais... Non, mais... ouais, non, une bonne partie de merde, quoi. Sur le chat, ça spam le 16. Ah non, mais là, c'est normal. Total. Là, moi, je me prends une dose, là... Normal. C'est de bonne guerre. C'est toi, sacro-sainte, machin. Ouais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends. Bon. De quoi tu parles, Fred? C'est toi le sacro-saint machin, là? Le sacro-saint machin. C'était quoi, toi? Moi, je suis la Zelvan League. Mais alors, c'est qui Oh putain, ils sont énormes. Oh putain. Putain, ouais, mon allié se fait défoncer, évidemment. Bon, ok, on va perdre cette guerre. Bah écoute, moi je me plaignais, mais voilà. Ça va. Station pirate éradiquée. Annulée, même je dirais. Construction complete. Construction complete. Bon, allez, et pour la 10e fois, on va reconstruire les stations. Alors vous. Vous allez là, vous vous retournez d'où vous venez, ah quoique non, vous allez là, ah c'est pas facile. Ok, il y a une... Qu'est-il ? Ah putain. Ah putain. Ah, statu quo, le mec s'est fait manger comme une merde. Un pack de non-agression. Bon, j'ai gagné quelques systèmes, c'est déjà ça. Bah va donc aider Julien, tiens. Alors, pour faire quoi? Bah pour t'étendre. Ah. Mais il veut pas. Pour m'étendre, il faut de l'argent, il faut des hommes, il faut de la guerre. J'ai plus de minéraux, j'ai plus d'énergie et j'ai plus t'as de bouffe. T'as plus de guerre non plus. Bah j'ai pas besoin de faire la guerre, j'ai rien. D'accord. Flotte hostile. La vache. Il y en a certaines qui sont bien vénères de flotte quand même. Là où je suis. Attends, j'ai rencontré des... Ah, et vous. Je connais une bonne cible pour vos raids. Alors... Si tu me les envoies dessus, attention. Mais non, pas lui. Ah mais si, lui. Si. Lui, mais pas non, moi. Non, je connais une bonne cible pour vos raids. Ce connard... $3000, voilà tes $3000, envoie des flottes à 12 000 dans son territoire pour le faire chier. Alors, labo ouais, d'exploration des conservateurs. Voilà. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt pas trop mal, hein. Pas dire le contraire. Espèce de vieux troll. Ça, vieux troll. Monde tropical à 20. Vous savez quoi? On va aller le chercher, les gars. Ah bon? Allez. Donc là, j'ai pris de toute façon un atout de l'ascension qui me permet de construire plus vite des bases et pour moins cher. Donc comme ça, on va spammer. Hein. Très clairement. On va spammer comme des porcs.
ici. Ici. Une corvette. Je suis à 71 sur 55 en puissance navale. 71 sur 55 ? Ouais, je suis en système, je suis à 4 sur 3. J'aurais rien à foutre, moi. Je suis parti en mode. Allez. Il en a plus rien à foutre, le gars, System clairement. Ouais. On a besoin de tout ça. Construction complete. Construction complete. Alors, c'est quoi ça, Losavata States ? C'est les connards que je cherche à démolir. D'accord. J'ai des réponses. Faisons la paix. Construction complete. Alors attention, ça c'est une ascendance stagnante, ne pas emmerder. Non, rivalise-les. Oui. En voilà une bonne idée. Je te garantis que tout va bien se passer. Transfert instantané. Vous voulez ? Je vous file un peu de la caillasse et puis on fait. Puis on bosse ensemble, les gars. Vous en pensez quoi ? Voilà. Puis moi je peux bosser avec plein de gens en fait, il suffit de leur envoyer un peu de caillasse. Bâtisseur de fédération. Oh, Luc Lucas a le bâtard. Qu'est-ce qu'il dit ? Il espérait que Tips gagne. Il y a des paris en argent qui se font. Tu vas perdre ton statut de modo, Luc Lucas, fais attention. Mais ça sert à rien, Luc Lucas, c'est comme espérer que le soleil se lève demain. Ça devait être très profond, mais on n'a pas eu la suite. Ouais. Ça commence à me faire chier par contre, hein. Moi je peux pas être productif comme ça et puis me faire couper la parole. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Hein, c'est le moment ? C'est le moment caméo, c'est ça ? Allez, viens. Doucement. Construction complete. C'est le moment caméo du chat. Le chaméo. Le chaméo. Grossit la cam qu'on voit. On parle toujours du chat là ? Oui. C'est préférable. C'est franchement préférable. Ah, on vient de gagner 10 viewers. Mettez Gragus Live multi 4 joueurs plus un chat. C'est ça. Je jure, les gens ils vont venir juste par curiosité pour voir le chat. Non mais restez, il va revenir. Hein. Et tu fais ça à tous les lives. Ah c'est dommage, ceux qui sont arrivés n'ont pas vu le chat. C'est ça. À chaque sub il monte le chat. C'est ça. Il fait danser le chat. Le chat. Alors ici, 500, 800, 500 encore. Pff. À chaque sub tu fais le dubstep 4. Central Bétaria, oui. Alors les flottes peuvent monter jusqu'à 40 maintenant. Juste ce qu'il faut pour y rajouter quelques croiseurs. Ah, par contre, ça coûte la peau du fion, hein, le croiseur, c'est quand même pas donné. Ah oui. Mon voisin, oui. Il est en train de revendiquer à peu près tout mon territoire. Ich. 750 le croiseur. 750. La vache. Ah, bon. Avec ça, je peux construire 3 destroyers. Creusez plus, tas de cons. J'ai pas un décret au fait faire creuser plus. Je crois que si. Si, tu peux faire. Campagne de santé, 1000 balles, bah déjà je le fais ça. Campagne d'éducation, oui, non. Campagne de drone, ça fait quoi ça ? Campagne de drone ? Ah oui, j'ai eu un truc par rapport au drone au fait, je sais pas trop à quoi ça sert. Caserne alien disponible, il me faudra un scientifique de level 3. On va faire la surcharge de capacité. 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va tenter le diable. Est-ce que je peux savoir où sont mes vaisseaux de scientifiques, en fait ? System survey complete. Oh putain, t'es méga loin, mec. C'est ouf. Mais il y a plein de choses à faire, mais... Mais non, mais toi, mais pas toi. Bougre de con. Construction complete. Bougre de con. Oui.
Est-ce qu'on a encore des stations? Ouais, ici. Il faut construire des stations minières. On continue de construire des stations minières. Oh. Allez, on va faire ça. Ouh, la surcharge des capacités terminée. Ça pique. On a presque plus d'énergie. Je viens juste de la lancer, moi, du coup. Il va falloir que je développe un peu plus les ressources du genre. Ludo, bâtard. Il dit pourquoi ne pas vassaliser l'Empire Impi qui est au-dessus de nous. C'est l'Empire de Julien. Ah bah, je suis quasiment sûr de m'en sortir mieux, du coup. Ah, j'avoue, vassalise. Non, faut peut-être pas non plus pousser, quoi. On a sa fierté, hein. Je peux pas, de toute façon, il faudrait que j'adopte la domination. La domination, c'est bien. Appelle-moi domination. C'était un message du comité pour la domination. Bon, ils font toujours la gueule, les autres têtes de nœuds, là, ou pas? Et boum! Pathétique, loyal, pathétique, déloyal, mais moins déloyal qu'avant. Ok, parfait. Ouais, après, c'est sûr que quand tu les vassalises par la force, ils ont un peu de mal à t'aimer juste après. Quoi. Ouais, bah d'autant plus qu'ils étaient franchement fascistes. Construction complete. Ça aide pas. Hein. J'ai vassalisé l'Allemagne nazie. En même temps, c'est de leur faute, ils ont qu'à pas être fascistes. Hein, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Interstellar Karabnar Commonwealth? Forteresse stellaire. Ah bah oui, voilà, oui. Construction complete. Bah oui, oui, forcément qu'on le fait. Il y a beaucoup de monde dans cette galaxie, hein, je trouve. Hein. Les forteresses stellaires. Pas plus que d'habitude. C'est peut-être les nouvelles frontières qui me donnent cette impression. Je pense, oui. La fumée, c'est tout. Un monde subarctique. Non, reste là, reste là. Bah, on n'a pas grand-chose à brère d'un monde subarctique. Bon, on va faire une expédition punitive sur ces aliens inoffensifs. Parce qu'ils occupent un système, si ça se trouve il est bien le système, on sait pas. Et on va pouvoir même modifier notre espèce maintenant, et ça c'est super classe. Ouais, youpi, j'ai terminé. Dans soi, putain, je suis tellement à la ramasse. Académie de la flotte. Pirate repéré, oh! Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce problème, tiens. Comment ça me casse des roupettes, hein. Julien, je vais buter les pirates à Saldropis, là, parce que. Trop tard, c'est fait. Il a encore une base, hein. Il a sa fierté, hein, le petit. Putain, j'ai plus d'énergie. Bah, vas-y. Entre nous deux, là. Il y a plus de jus. On a plus de jus. Oui, vas-y. Tu sais qu'il y a une base dedans, il faut la démolir, hein, pour arrêter. Non, mais je l'ai détruit, moi, la base, hein. Bah, non, il y en a une. Alors. T'es sûr de ça? Ouais, ouais. Par contre, alors j'ai des factions. Bah vas-y, va la détruire et puis de toute façon j'ai mon constructeur qui y va. Ok. On peut faire deux décrets en même temps? Bah bien sûr. Alors va pour. Autant de décrets que tu veux en même temps. Alors. Ah cool. Les sacs à merde de pirates. Voilà, on en fait des confettis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme troisième arbre de tradition? Ça, je ne sais pas. La suprématie, c'est pas... C'est pas mal. C'est pas mal. L'expansion, c'est bien aussi. L'harmonie, c'est cool. Youhou, ma flotte vient d'atteindre... Ouais, l'harmonie, 2000, c'est bien quand même. Et 2000 de puissance. Moins d'agitation, parce que la CGT, là, elle frappe assez souvent. Comment ça bien faire la CGT? Ouais, mais c'est pas trop l'idée. Découverte, bof. Ouais, expansion ou suprématie, je dirais, moi. Doctrine de guerre. Non, ah, mais attends, mais j'ai des trucs de paix, la pisse, machin. Ouais, bof. Peace Festival. Et on devrait peut-être aller. Ah non, on va prendre l'expansion. Je pense que l'expansion, ça va me servir.
Ouais, c'est toujours utile. Ouais, je pense aussi que ça peut être oh, pas putain, mal. Oh putain, mais c'est pas vrai, mais... Qu'est-ce qui se passe? Rien de bon, manifestement. Des pirates, je pense. Il semblerait. Vous avez des pirates chez vous? J'ai la solution. Avec Bégon Rouge. C'est ça, ne laissez plus vos problèmes de pirates prendre le pas sur votre vie. Avant, j'avais des pirates. Les dépiratiseurs de l'extrême, c'est... Aujourd'hui, on va chez... Il y a des pirates. Elle avait un nid de pirate dans son garage et ça lui faisait peur. C'est tellement ça. Alors quoi ici? Puissant champ... Oh bien, puissant champ magnétique. On va coloniser missile ce machin. Missile antimatière, c'est bien ça, missile antimatière. Oui, vous. Là. C'est parti. Okay, il a revendiqué tellement de choses que... Ah, pardon. Ok, bon. Des faisceaux scientifiques qui ne branlent rien, par contre. On bouge, les gars. T'as été à Astropolis, là? Ouais, c'est bon, il n'y a plus personne. Astropolis. C'est génial. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va en refaire un. Hop. Et après, comme je disais, on va aller s'occuper et des pirates et des et de la flotte hostile, là, de... Je sais pas trop ce que c'est comme bestiole. Quelqu'un aurait, genre, quelques minéraux à me filer, teuf. Mais tellement pas. Des minéraux c'est pas, les minéraux, ça, je suis désolé, je fais pas dans... Je peux pas troquer le minéral, quoi. Ça, c'est un peu comme dans O-Game, ici, hein. Tout le monde manque de dot, hein. Okay, bah, oh putain, ce système a 11 minéraux dedans. Ça, je vous enfilerai bien, mais franchement, ça va m'emmerder. Il veut pas, ce connard. Comprenez. Et dans ces conditions, c'est compliqué. Bon, ça, c'est à moi que t'es gentil. Où est ma flotte, là, bon sang? Temporairement. Oh putain de merde. Qu'y a-t-il? Un monde de savane à 24. C'est pas mal. Il est très proche de la personne qui ne m'aime pas. Ok, on va faire comme ça. Agitation, mobilisation des esclaves à Ergor Prime. Ergor Prime. Ça va charcler. Bonjour, voici un décret donc de loi martiale. Le décret de Kyros. C'est ça. Moi je veux pas faire un traité migratoire avec les épaules de mer. Je veux pas de traité migratoire. Moi je voudrais bien, hein, mais... Et voilà, personne veut. Ah si, l'autre esprit de la ruche là, peut-être... Allez, on va écraser ça très très vite fait. Proposer un accord commercial, une convention de recherche, pff, moins 1000. Bon, bah, ok. Tu me kiffes pas, hein. 110 sur 143, c'est mieux, mais c'est toujours pas assez. Je vais quand même pas faire une convention de recherche. Non. Non, on peut même pas. Pourquoi un pacte défensif? Acceptation au moins 97%. Pourquoi? Parce que. Esprit de la rue, Mais pourquoi? D'accord. Il me considère trop faible pour... voilà. Ah. Voilà. Construction complete. Tristesse. Qu'est-ce que c'est? Flotte hostile. Ah ben oui, mais c'est pour ça qu'on... Hostile fleet detected. Allez, attaque-moi les petites ennemies. C'est pas ça. Je nettoie mes frontières. Avant j'avais des amibes. Des problèmes d'amibes. Avec Napalmus. Les problèmes d'amibes sont résolus. Sorirulux. Napalmux. Oh, y a qu'un esclave pour 4 personnes ici. Oh, c'est triste. Comment ils vont faire, les gars? Tu m'étonnes qu'ils font la gueule après. Les pauvres.
On s'en fout. Alors, je vais peut-être pas attaquer le Dreadnought machin là. Allez, à l'assaut. Non. Pas, ah, fais pas ça. Pas avec un petit 2000 de puissance. Remarque, je peux le test. Hein. Ouais. Non. Oh, il est fat. C'est ça le. Je ne pense pas. Il est fat. C'est quoi? Puissance, tête de mort. Mmh. C'est dommage parce que je le sentais bien, il y avait deux planètes potentiellement habitables. Oh bah voilà. Bah ça y est, il commence à être ouvert à la discussion, ces espèces de despotes esclavagistes stupides. Research complete. Et ça fait des traités dans mon dos. Oh non, ils ont pris le système avec la planète. Et FDP. Voyage par trou de verre. Ouais. Non. Ça va, on a compris que ça se passe bien pour toi. Vous avez ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas utile en fait. De quoi? Le voyage par trou de verre. Tu peux rester avec les hyperlignes. Si tu veux. Ça bah, ça dépend parce que. Ça... Non, ça peut être intéressant, les trous de verre. Moi par exemple. Pire. Après, tu choisis pas où ça va quoi. C'est ça le problème. Pour TP une flotte à l'autre bout de l'Empire, c'est pratique quoi. Au lieu de... C'est mieux les portes, les gateways. Une fois que tu peux en construire, c'est plus pratique. Ouais, ouais, mais j'en suis pas au moment où je peux construire des. Des trucs du genre. T'en fais un peu partout dans ton empire. Et t'es pour l'instant, c'est pas le cas. Raffinerie de perdre de la thune, hein. Vraiment. Les rançonneurs, c'est quoi ça? C'est un événement. C'est les mecs qui se sont fait capturer, tu dois choisir si tu veux aller sur les jeux. Non. Pourquoi je ferais ça? Bah parce que t'as des récompenses à la fin. Ouais. Ouais, ouais. Tout simplement. Eh hey, mais je suis con moi, j'ai du plasma depuis tout à l'heure là. Ça peut être bien ça. Nouveau modèle, destroyer. Oui parce que j'ai que des destroyers. Voilà, on va faire un destroyer large plasma. Bingo. Voilà, la zone est dératisée, parfait. Ils nous auront fait chier, eux. C'est rien de le dire. Construction complete. J'ai 4 types de destroyers. Tu utilises pas de corvette Si, à foison. Mais j'ai des destroyers bien précis. Là, moi, je teste surtout les comment les modèles automatiques faits par le jeu, en fait. Construction complete. Oui, ils sont bien aussi, attention. Je sais pas. Je sais pas, je me suis dit dans cette partie, je teste ça. Au pire, quand j'aurai 5 minutes, je regarderai en détail mes modèles. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure de faire ce genre de truc. Alors, ma flotte s'est déplacée. On va la mettre ici, au milieu de l'Empire. Comme ça, si jamais il y a besoin de défendre, moi, on ne sera pas emmerdé. Ah, pardon. Construction complete. Ici, on va construire un avant-poste pour bloquer. Salut Block Tundra. Salut Block Tundra. Salut. Salut, salut. Ville Comen, prends un siège. Construction complete. Fais comme chez toi. Sauf que c'est chez nous. Exactement. Fais comme chez toi, mais pas trop. C'est exactement ça. C'est ça. Alors une fois, ouais, on va mettre. Hein. Putain, mais l'empire qui est à côté de chez moi, c'est le Chili. Le Chili. Et il est tout en long, le machin. Il a coupé la galaxie à ce niveau-là, là. Hop là. C'est qui? Le bébé, la Bébaki hégémonie. Ouais, je les vois. Ouais. C'est lui qui m'a revendiqué la moitié de mon empire. Fasciste. Encore. Jesus Christ. Mm.
Bon, va falloir repartir en guerre. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. C'est pas très très bien. Ils sont comment par rapport à nous, eux? Inférieurs. Ouais, ça j'en doutais pas, mais à quel point, c'est ça la question. Il faut qu'on fasse un port ici. Ah là, il y a une planète subarctique, bordel. Incoming transmission. Il y a des gens qui me font des dons. Merci. Quoi? Mais moi, tout le monde, personne. C'est pas l'Empire Machine déchu. L'Empire Machine, non, pas déchu, non, non, j'ai pas du. Pas ça chez nous. Il y en a qui... a un comportement totalement imprévisible. Parfois, il te demande des trucs, parfois, il te donne des trucs. Ah merde. On a changé de poil. Construction complete. Bienvenue. Bienvenue au nouveau poil. Construction complete. Esclave pacifié. Ah bah voilà. Vous voyez qu'avec un peu de loi martiale, il n'y a pas de problème après. Avant, j'avais des problèmes d'esclaves. C'est ça. Avant, j'avais des problèmes d'esclaves. Et puis après, on a engagé des gens et ça s'est passé beaucoup mieux. Special project complete. Donc toi, tu ne fais rien. Tombé de temps. Toi, tu ne fais rien non plus. Décidément, il y a bien beaucoup de gens qui ne font rien. C'est pas bien normal, par contre. Allez, on construit l'économie. Là. Quel est le problème ici? Oui, oui, Gargantua, oui, mais enfin, Gargantua, il faut déjà faire l'événement pour que ce soit intéressant. Donc, 2,1. Gargantua, c'est pas bizarre. La priorité, Ludo. Construction complete. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de danger au ring, donc elle reste là, c'est pas très important. Oui, je pourrais la bouger. D'ailleurs, je la bougerais si jamais on me déclare la guerre. Vu la situation géopolitique, elle ne craint rien. On peut rester à la frontière. Construction complete. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? 34 sur 40. 38. Ah oui, d'accord, j'avais oublié les trois flottes. J'avais oublié que les trois flottes étaient sur un la même un destroyer, plutôt. T'as trois flottes, toi ? Ouais. Du coup, j'ai sélectionné les trois, je les ai envoyés. Mais en fait, les trois ont bougé. Ok, voilà. Ouh là là là. Que vois-je? Mais c'est qu'il n'y a plus rien à becter. La famine? Ça va pas être possible. Elle guette. Mais ça va vraiment, vraiment pas être possible. Vite. Construction complete. Putain, je l'ai pas vu venir, ça, la famine. Ça m'étonne pas, avec ton empire corrompu. Ouais, mais c'est j'ai pris une nouvelle... Comment ? Une nouvelle planète, et du coup, ça m'est tombé dessus sans prévenir. Un vaisseau scientifique qui fait rien. Moi je suis en. Je suis... Pour l'instant, tu as mangé ça... beaucoup d'esclaves, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Ouais, mais non, mais je vais faire en fait des stations hydroponiques. Il faut manger des esclaves. Pour s'emmerder. Tu devrais pouvoir manger une partie de ta population. Quand... On mange pas, nous. Non, mais on mange pas les gens quand même. Bah, des bêtes. T'es au point où t'en es. Hein. Si t'es un esprit de la ruche, tu peux manger les autres espèces. Je veux bien qu'on soit des.
On est un peu des fumiers, mais il y a des limites quand même. Faut pas laisser un dévoreur, hein. Tu peux convertir les pop d'autres espèces en nourriture. Non, mais on va. Puisqu'en fait, elles peuvent pas survivre dans ton empire. Tu as une conscience collective. Oui, c'est un peu de leur faute. Tu les chopes, tu as le choix entre les déporter. C'est un peu de leur faute. Ou les consommer. D'accord. Pareil pour les machines. Les empires machines, les gens à l'intérieur, ils peuvent soit les exterminer purement, soit les transformer en énergie. Ce qui est plus long, mais ils finissent par crever. Soit c'est les amalgamer, ce qui fait qu'ils meurent pas, ils sont là constamment et ils produisent de l'énergie sur les cases où ils sont. Moi, je trouve ça un peu sale quand même. Moi, je pense pas que vous soyez des gens très fréquentables. Fais pas ta chochotte. Grave. Carrément. Construction complete. Construction complete. C'est quoi la limite de commandement de la flotte? C'est ta capacité navale? Non, c'est pas pareil. Je vais pas me prendre moi en exemple. Parce que c'est combien de vaisseaux tu peux mettre dans une flotte? Ah. Capacité navale, c'est le global. Combien de vaisseaux tu peux avoir en tout? Je peux maintenir une flotte à 57 vaisseaux. Construction complete. Et ta capacité navale est combien? 57. ça tombe bien. Quelque part, l'un dans l'autre. C'est raccord. C'est pour ça que je te demande en fait. Pas nous, on est très bien mêlés. C'est bien, c'est organisé. Une flotte. Avec tout. On a une flotte et on a tout mis dedans, en tas. C'est la technique du tas. Ouais. Bien connu. Le stack, on appelle ça. Le stack. Le stack of death. Stack of the death. J'ai toujours pas rencontré Fred. Non, moi non plus. Bah, je sais pas trop où il est, Fred, non plus. C'est quoi ces gens qui meurent là? Mais si, je l'ai rencontré, Fred, n'importe quoi. Ah si, je te vois, moi. Eh oui, on se voit. Cette couleur un peu étrange. Comment ça, étrange? Bah, t'es un peu jaune, quoi. Je suis pas un peu jaune, on est carrément jaune. Bah voilà. Comme l'or. Comme la pisse. Du coup, oui, si tu vas en empire, surtout... tu vois, une espèce d'excroissance qui part vers le bas de la galaxie, là. L'excroissance, englobe, comment une excroissance dans de frontières. Un saillant, oui. J'ai fait un saillant. Le prince des saillants. Un pacte défensif bilatéral. Non, je ne signe pas de pacte défensif. Le prince des saillants. Ça, c'est mort, les pactes défensifs. C'est un des liens en merde. N'est-ce pas des Glingus? Ouais, je confirme. Point de ça chez nous. Bon, lui, il veut toujours pas s'avouer. Non, ils veulent pas être volontairement mes vassaux, c'est con. Ah, il y a quand même un mec qui a une force équivalente à moi. Hein, c'est quand même. Félicitations. Leur technologie est supérieure à la mienne. C'est pas donné à tout le monde. C'est peut-être ma technologie qui pue du fion, hein, c'est possible. Je dis pas. Je dis pas, c'est possible. C'est peut-être, on a plein de gens, mais on sait pas se servir du matos, c'est possible. Les glands en vue. Donc, qui a été élu là? De la merde. De la merde. Ouais, bon, produit pas énorme. Bon, en même temps, avec la flotte qu'on a, c'est normal que ça coûte un peu cher. À ce niveau. Bon, mais je pense qu'on va bientôt partir pour vassaliser les mecs là. Hein. Nickel. Comment il s'appelle? Le Raltech Empire. Ah oui. C'est où c'est? Ouais, alors. Il est gros, hein, ça va être difficile à maintenir, je pense. Pourquoi? Plus ils sont gros, plus ils auront tendance à pas forcément vouloir
rester sous ta tutelle. Quoi. Bah le Principality of Maltil, il est aussi gros. Non, il est minuscule comparé à toi. Bah mon voisin aussi. Enfin, le rapport entre les deux me semble pas si disproportionné que ça en fait. Tile blocker cleared. Non, ouais, remarque, ils sont inférieurs à moi aussi. Ouais, ils ont beaucoup de territoire, mais c'est des merdes en fait. Oui, c'est ça, c'est surtout des bouses. Hein. J'ai juste regardé si. Quel type de. Ah, je peux pas voir quel type de truc ils ont. War declared. Est-ce que je peux y envoyer un vaisseau scientifique en scred? Ouais, putain, mais tu fous ma gueule. Putain, mais. Oh bordel, j'aurais dû briser ce pacte défensif. Ouais, on va y aller. Ah, t'es en guerre contre le sacro-saint? Oh, tu te fous ma gueule. On va y aller comme ça. Je pense que ça va être bon. Bah écoute, va piller des trucs, hein. Ah non, c'est pas comme dans CK2. Ouais, non. Tu peux pas juste être dans ton coin avec ta petite armée et passer derrière tout le monde en mode... Ah, il parlait de... Ah ouais, non, d'accord, on parlait pas du même Raltec, en fait. Ah oui, non, lui, c'est le Ratstalak. Construction complete. Ah, mais je sais pas faire ça, c'est okay, la honte totale. J'ai pigé, les gens, j'ai pigé. C'est la honte totale. Ah, le con, putain. Puis lui, c'est pareil, c'est la honte totale. Colony established. New Wisdom, ça vient. Il y a des super systèmes, mais c'est trop près des autres fascistes au-dessus. Puis eux, c'est des vrais fascistes assez balèzes pour maintenir leur idéologie, on va dire. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Merci pour le follow. Zazon 22. Trop fort. On va aller les écraser quand même, ces trucs là. C'est 752 de drones là, on va écraser tout ça. En speed. Bon, bah ça se passe plutôt bien. Malgré tout, personne m'a encore attaqué. C'est à se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on attend. Par contre, moi je me tâte du coup. Non, mais il doit avoir un pacte défensif. En fait, je suis encerclé. Alors, lui, il a. Oh. Avec les Rakstalak. Accès aux forteresses stellaires. Pacte défensif. Pacte migratoire, ah oui, ils sont alliés comme cochons. Ouais. Missile à fusion, je m'entends, un propulseur à plasma, je veux bien. Si j'attaque l'un... Si j'attaque l'un, il faut que j'attaque l'autre m'attaque. Non, c'est pas moi qui ai attaqué Ludo, c'est la même chose que la dernière fois. J'ai oublié, j'aurais dû annuler le pacte défensif que j'avais avec le mec, parce que c'est un mis à merde, cette histoire. Research complete. Donc la flotte était pas aux frontières, donc... Génie clinique, bof. Oui, ça va sûrement se finir comme toute la dernière fois, on va manger un peu de territoire. Ah par contre, ouais, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Tranquillou, il fallait que j'améliore ma population. Alors ça risque de me coûter un bras. Non, ça coûte rien, ça prend du temps, c'est tout. Ouais. Ça bloque ta recherche pendant que tu... Ouais, voilà, ça va bloquer ma recherche pendant des plombes et des plombes et des plombes. On va quand même essayer de le faire, on va aller voir ça dans espèces. J'ai un point. Créer un modèle. On pourrait ne plus être décadent. On pourrait. Est-ce qu'on pourrait?
je suis encore trop en tension pour. Ou ne plus être déviant. Construction complete. Construction complete. Ça fait longtemps que je me suis pas. Oh là 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 là. Appliquer un modèle sur tout le monde. 96 pop. C'est parti. Ouh là 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 là. Ça fait longtemps que je me suis pas occupé. Mais... Appliquer le modèle. 126 mois. Bon, ça va, je m'attendais à pire. C'est long. De quoi? C'est long. 126 mois? Ah ouais. C'est le temps que je mets pour faire. Ouais, bah ouais, mais bon. On est une centaine, hein. Donc forcément. Forcément, derrière, ça se ressent, quoi. Bah oui, c'est bien, ça. Pourquoi on l'avait pas avant? Ne fallait-il pas qu'on casse des gueules? C'est bien possible, quand même. Silence. Par là. Je construis des trucs. Là, on va leur tomber dessus, à eux. Parfait. Construction complete. Ouais, 126 mois, c'est méga long. Mais bon. Ouais. Mais j'y peux rien, franchement, j'y peux rien, là. C'est comme ça. Je commence même à être en pénurie de progression. Ouais, de... Je suis en pénurie de tout, en fait. Voilà. Faut que j'arrête de grossir et de faire des choses, parce que là, j'ai plus les ressources nécessaires pour assurer ma flotte, en fait. Ouais. C'est un régime. Tu veux dire qu'il faut que je maigrisse du cul? Probablement. Tu devrais peut-être rendre l'indépendance à des gens. Non, par contre, je veux pas les taxer un peu. Ce serait peut-être plus malin, ça, non? Ah, ça y est, ils sont passés loyaux au fait. Parfait. Loyaux même. Diadème 1. Bon, et qu'est-ce qu'il a pas encore Il n'a pas encore revendiqué chez moi, ce sera plus simple, je pense. Au bout d'un moment, là. J'ai trouvé un bon moyen d'améliorer ma production. Attends, pause. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait, le bâtard? Parce que. Ah, c'est pas moi qui ai eu l'occupation du système. En bas, tu te démerdes pour prendre la planète alors. Et on peut prendre un atout de l'ascension. Qu'est-ce qu'on va prendre? C'est quoi, on va prendre ça? Il y a des spores qui partent de partout. Ah putain, il avait des claims plus élevés que les miennes, du coup c'est lui qui récupère les trucs. Ah, fait chier. Oh, je me casse, hein, déviens-toi. Jus, t'en es où? Bah, toujours dans la même merde. Ah bon. Allez, tiens bon. Ah bah oui. Il faut tenir bon. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas être le grand gagnant de la... Je t'en sais rien, tout peut se retourner. Oui, on sait jamais s'il y a des météorites qui tombent sur votre peuple, que vous mourrez tous et que je me retrouve. Bah, ou une crise, je rappelle qu'on a mis la crise de la violence. Ouais, hein. C'est vrai. Hein. On a mis quel level la crise? Normal. Normal, je crois. Ce qui suffit en faire la crise de la violence. Oui. Totalement. Oh la vache.
Ok, parfait. Enfin, ce système est accessible. Alors par contre, c'est la pause, hein, je crois. Ouais, je pense qu'il va falloir faire une... Depuis un bail même, je dirais. Oui. Bon. Bon, c'est la merde. Parce que là, il faut que... Ouais. Faut qu'on fasse la pause. Okay. Ouais, attends, petite pause de 5 minutes, on se retrouve tout après, ou bah on va essayer de... Oh putain, je suis dans la merde. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Mais oui. On va s'en sortir. Allez. Allez, dans 5 minutes. À tout de suite.